C'est un gigantesque couac pour le Huffington Post. Un volte-face spectaculaire selon Mediapart. Quand jeudi dernier, à l'Assemblée nationale, la majorité a retoqué la proposition d'instaurer un congé de deuil de 12 jours au lieu de 5 pour les parents dont un enfant décède. La proposition a été rejetée par 40 voix contre 38, suscitant la surprise et l'indignation dans les rangs de l'opposition par la voix notamment de François Ruffin. On parle là de la tragédie des tragédies. Le cauchemar de tout parent, perdre un enfant. Je pensais que sur ce point-là, l'allongement en cas de décès d'un enfant de 5 à 12 jours, il n'y aurait pas de France insoumise, et il n'y aurait pas de Républicains, et il n'y aurait pas de Modem, et il n'y aurait pas de En Marche. Je penserais que sur ce dossier-là, on marcherait main dans la main. Un rejet qualifié d'ignominie par le patron de Mediapart, Edwy Plaiden, qui dénonce un économisme et un anti-humanisme des députés La République En Marche, un vote qui restera une marque indélébile. Edwy Plaiden nous explique pourquoi, il est ce soir notre invité. Bonsoir Edwy Plaiden, merci pour votre présence ce soir. On va revenir sur votre réaction, mais juste un mot d'explication. Jeudi, à l'Assemblée nationale, la majorité a avancé deux arguments pour justifier le rejet de cette proposition de loi. Le débat, selon eux, ne portait pas sur le fait d'accorder des jours supplémentaires aux parents endeuillés, mais sur le mode de financement. Écoutez les arguments. Le débat n'est pas est-ce qu'il faut mieux accompagner, permettre un répit, permettre aux parents qui ont vécu ce drame. C'est est-ce que c'est normal que ce soit la petite entreprise qui paye 100% ça et pas la solidarité nationale? C'est ça le sujet. Je pense que le 5 jours ou 12 jours, de toute façon, ne répare pas, ne permet pas de compenser ce traumatisme. En revanche, je pense que l'idée de permettre la solidarité par les RTT, qu'on a permis pour d'autres cas, est très importante. C'est sur le fait que ce congé exceptionnel soit à la charge de l'entreprise qui faisait débat à l'Assemblée. C'est un sujet complexe. Toutes les associations concernées ne sont pas unanimes sur le fait de faire peser la charge de ce congé aux entreprises. Malgré tout, malgré cette explication, vous continuez à dire que ce rejet est une ignominie? Je crois que tout le monde le sait, tout le monde le sent dans la société. Il faut rappeler les faits, hein, tout simplement. Le congé parental est de 11 jours aujourd'hui. En Grande-Bretagne, pour le décès d'un enfant, il est de 15 jours. Et actuellement, donc, pour le décès d'un enfant, chez nous, il n'est que de 5 jours. Donc, dire, et ça ne répare rien, c'est simplement de permettre aux parents de se retourner. Dire que, quoi? Au fond, que l'entreprise, c'est pas à elle de prendre ça en charge, qu'elle n'a pas de responsabilité vis-à-vis de ses salariés, de responsabilité humaine. Je rappelle que le Conseil d'État récemment a rappelé que la liberté d'entreprendre doit s'effacer devant, par exemple, l'impératif écologique. Et puis pire, dire c'est aux autres salariés de avec manifester les RTT. C'est derrière, une autre possibilité derrière, ils sont dans une bulle où ne compte que l'argent, où ne compte que le fric, où ne compte que le profit. C'est la formule de Rimbaud dans Les Illuminations, l'horreur économique, de Karl Marx, les eaux glacées du calcul égoïste. Vous savez, il y a deux formules qui sont stupéfiantes. La députée qui a En Marche, qui a rejeté ça, c'est pour ça que j'ai un petit papier pour la citer exactement, quand on s'achète de la générosité à bon prix sur le dos des entreprises, c'est quand même un peu facile. Et quant à Mme Pénicaud, elle dit « l'acteur majeur est la société et non les seules entreprises ». C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée que, voilà, c'est à nous tous. Hein. Vous êtes comptable, vous êtes coupable. C'est le cas aujourd'hui, mais nous, parce que c'est l'assurance maladie qui donc paye. Donc c'est la solidarité nationale. Ça n'a rien à voir. Les parents qui perdent un enfant sont en congé maladie. La moyenne des congés maladie pris ça n'a rien à voir. Par les parents. Ben, ça n'a rien à voir. Ils sont arrêtés 35 jours. Le congé maladie, c'est un droit qu'ont les salariés pour quelques raisons. Mais c'est la solidarité. C'est une solidarité. Si on est malade, on a cette solidarité. Pour la perte d'un enfant. Mais là, on fait un congé maladie. Je dis juste que là, c'est tout simple. Enfin, je veux dire que vous ergotiez vous-même là-dessus. Alors, c'est sidérant. C'est de l'information et pas de l'ergotage. C'est de l'ergotage. Non, enfin, de dire quand même qu'en France, aujourd'hui, au 21e siècle, il a raison, François Ruffin. Enfin, c'était une proposition d'un député centriste. Et que l'on argumente sur Guy le thème... Bricou, député UDI. Ça va desservir les entreprises. Le calcul a été dit, il y a 4 500 par an, un salarié qui perd un enfant par an. Chaque année. Et
regardez la servitude de cette majorité indigne. Non seulement elle se couche parce que c'était la volonté du pouvoir, elle ne raisonne pas, d'ailleurs il y a quand même un ou deux députés En Marche qui ont résisté, mais là elle se couche, et le président le premier, parce que qui les rappelle à l'humanité ? Le MEDEF. Monsieur, Emmanuel Macron lui-même. Mais non, mais après le MEDEF, vous vous trompez en chronologie. Non, Madame Parisot, Madame Parisot interpelle son successeur, Geoffroy Roux-de-Bézieux, et qui dit, mais bien sûr, nous les entreprises, c'est pas un problème. Qu'est-ce que c'est que ce blocage, que ce blocage ? C'est ce que j'ai appelé dans ma réaction et dans l'article qu'on a fait, c'est l'économisme. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une jauge, nous sommes jugez, nous, nous ne sommes qu'un élément de marchandise, qu'un élément de profit, qu'un tableau Excel. Ils sont dans leur bulle, comme ils le sont sur les retraites. Quand même, il faut se rendre compte de ce qui nous arrive. Le Conseil d'État, ce n'est pas des révolutionnaires. Et ils ne veulent pas foutre en l'air le système. Ils ont dit la même chose sur le projet de loi retraite. Ils ont fait un avis qui devrait interdire de le débattre à l'Assemblée. Ils ont dit que ça tenait pas la route, toutes les formules, que c'est hors réel dans la façon de faire. Ils ont dit même que l'insécurité juridique de ce texte, le Conseil d'État. C'est-à-dire que normalement, si on avait un régime parlementaire, des parlementaires qui sont députés de la nation, ils devraient dire, écoutez, monsieur le gouvernement, même si on vous a choisi, même si on est lié à vous, vu ce que dit le Conseil d'État, je rappelle que monsieur Édouard Philippe vient du Conseil d'État, que le directeur de cabinet de Matignon vient du Conseil d'État. Eh bien non, les retraites, vous revoyez votre copie, parce que le Conseil constitutionnel donc va être aussi, en embuscade. Vous pensez que les députés de la majorité sont des députés Playmobil ? Je crois que c'est exactement non, l'expression utilisée par Guy Bricout, député Tous les milieux sociaux de Vous les mettez tous dans le même milieux sac. Sociaux de notre pays regarde avec stupéfaction ce qui s'est passé. Il y a 3 ans, il y a eu ce mouvement de dire on va mettre la société civile au pouvoir avec En Marche. Et en fait, on n'a pas la société civile. On a des gens qui sont dans une bulle et qui me font penser à ce que disait la philosophe Hannah Arendt, la dialectique du paria et du parvenu. Je suis parvenu, j'y suis, hein, je suis et je ferme la porte. Et j'oublie les parias, les autres. Moi, j'ai réussi. Moi, je suis protégé. Moi, je fais la loi. C'est sidérant. Vous savez, le monsieur qui s'occupe du projet retraite, il est venu sur Mediapart. Le parlementaire qui a été choisi, qui a été responsable RH. Je veux dire, sincèrement, moi, je suis patron d'une entreprise. Il y a 100 salariés à Mediapart. La vie d'une entreprise, la réalité, comment on suit, etc. Enfin, je suis sidéré et là, le vrai mot, c'est l'inhumanité. L'individu n'existe plus. Olivier Grégoire, député de La République En Marche, a rappelé que probablement parmi ceux qui avaient rejeté cette proposition de loi, certains devaient être concernés par le deuil d'un enfant. Peut-être, mais dans ce cas-là, il faut quand même qu'ils pensent avec eux-mêmes, qu'ils pensent de manière autonome, de manière libre. C'est-à-dire, pourquoi ce revirement sidère tout le monde ? Oui, parce que finalement, le président fait un petit communiqué. La majorité va défendre l'extension à 12 jours. On se retourne. Et comme a dit le député, c'est nous les cons, parce qu'en fait, on suivait la consigne de la majorité. Je rappelle qu'un député dans notre République, aussi présidentielle et monarchique soit-elle, s'appelle quoi ? Député de la nation. Il n'est pas député En Marche, il n'est pas député France Insoumise, il est député de tout le monde. Son rôle, c'est de faire la loi et de contrôler l'exécutif. Si l'exécutif fait une bêtise, il ne doit pas suivre l'exécutif. Je suis un de ces journalistes qui l'a dit, que ce soit la gauche ou que ce soit la droite au pouvoir. C'est ça une démocratie vivante. Marion. Edouard Plenel, vous rejoignez l'avis du Figaro, pour qui cet épisode n'est qu'un énième raté après une semaine. Le MEDEF et Mme Macron, le pouvoir en place. Il y a des gens qui ont un peu attendez, les pieds sur terre. Je finis pardon. Juste. La Macronie a des airs de bateau ivre, écrit Guillaume Tabar dans son éditorial, qui revient sur cette fameuse semaine. Le Conseil d'État, vous l'avez dit, qui pointe la légèreté du gouvernement sur la réforme des retraites et critique la circulaire Castaner. La maladresse, je la cite, de la garde des Sceaux qui confond liberté de conscience et délit de blasphème au sujet de l'affaire Mila. Enfin, cette photo d'Emmanuel Macron en visite au festival de BD d'Angoulême, prise jeudi dernier avec le dessinateur Jules. On y voit le président poser avec un t-shirt dénonçant les violences policières. L'affaire a fait grand bruit et a eu le mérite de choquer tout le monde. Le président, lui, assume au nom de la liberté de caricaturer. Est-ce que vous, ça vous a choqué ?
qu'il tienne ce t-shirt, ça c'est son problème. C'est lui qui... je sais très bien ce qu'a fait le dessinateur et ce qu'ils ont tous fait, hein, cette idée LBD, BD, BD 2020, bah, LBD. Parce que quand même, dans la bulle de ce pouvoir, il y a cette phrase historique de M. Macron, c'est pas en marche, c'est en force, hein. C'est de dire, c'est inadmissible dans un état de droit de parler de violence policière, ça n'existe pas. Comme si l'état de droit, c'était les droits de l'État et donc de la police, et non pas le droit, notre droit, d'invoquer le droit face aux abus de l'État et de la police. Le déni sur les violences policières, c'est ça que les dessinateurs ont voulu lui rappeler. C'est ça, 25 éborgnés, 5 mains arrachées. Nous sommes le seul pays où c'est arrivé, alors qu'il y a des manifestations massives en Algérie, à Hong Kong, au Liban. Chez nous, c'est arrivé. Pas un mot de compassion. Les 12 jours, l'histoire du deuil, c'est le même écho. Tout le monde l'entend. Ce peuple des Gilets jaunes, il l'entend, ça aussi. Pas un mot de compassion, pas un mot de retenue. Tout récemment, ça a un petit peu bougé. Oui, il y a eu une Au bout de 14 mois, où nous avons documenté ça sur Mediapart avec David Dufresne. Que nous avons c'est sidérant. Cette bulle, je pense qu'il y a deux bulles. Il y a une bulle qui est la bulle présidentielle, qui a toujours existé, et qui fait que ces présidents, depuis trois présidences au moins, sont happés par cette bulle présidentielle et sont hors sol. Mais s'y ajoute, de la part de cette majorité, une déconnexion du réel, de la société, de son mouvement, je sais pas comment vous dire, mais regardez les jeunes sur le climat. Tout le monde dit le climat, on est unanime. Regardez comment des jeunes sur le climat ont été gazés sur un pont, à peine ils étaient assis alors qu'ils faisaient un petit sit-in. Regardez les lycéens, collégiens qui ont été gardés dans un commissariat pour une petite poubelle pendant 48 heures. Faites la police si vous le voulez, monsieur Cohen. Mais quand même. Mais on travaille de journaliste. Ce sont des faits. Petite poubelle. Des faits de temps en temps, c'est pas poubelle, mal. Une petite poubelle. Et alors, voilà. Vous avez déjà vu Zéro de conduite au cinéma? Vous avez déjà vu des films de Truffaut? Vous avez été jeune à un moment? Vous avez été révolté un jour dans votre vie? Quand même, la jeunesse, on n'est pas là pour la traiter à la schlag. On écoute ses colères, on écoute ses émotions. Je suis content de ne pas être jugé par vous. On écoute, je ne juge pas, je dis ce que je pense. On écoute la société. La démocratie, ce n'est pas le pouvoir d'un seul qui confisque la volonté générale.